sur la base de 4 bateaux qui existent aujourd'hui à la Force Guinée, de 3 bateaux qui existent à Méridional. Cette question-là a été évoquée. La demande d'intervention aujourd'hui a une position de principe de l'autorité publique qui dit clairement aujourd'hui on a pris une décision, elle est ce qu'elle est. On leur a fait remarquer qu'elle n'était pas bonne pour nous et qu'elle avait créé la situation de blocage que l'on connaît aujourd'hui. Et qu'on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui, malgré le fait de la durée de la discussion, puisqu'on a essayé d'aller dans les détails, c'est important pour qu'on puisse faire comprendre la nécessité d'une intervention. Aujourd'hui, on est resté sur une position de principe en disant on ne peut pas interférer, le vote n'a pas encore lieu au niveau de l'Assemblée, on ne peut pas intervenir. Donc ça, c'est une situation et une réponse qui ne lui convient pas, en espérant quand même que la durée de cette négociation et discussion aura permis de faire prendre conscience de l'urgence à mettre tous les protagonistes, obligatoires autour d'une table pour trouver des solutions. Sachant pertinemment qu'on a réitéré les points du préavis de grève en disant qu'on avait fait un préavis de grève qui était bien plus important que 5 jours pour donner le temps à la négociation. Cette négociation n'a pas eu lieu et qu'aujourd'hui, on sait qu'on s'enclenche dans une grève longue et qu'à aujourd'hui, il n'y a pas de prise de position de la part des pouvoirs publics de l'État, la préfète de Corse et le préfet de Haute-Corse, qui vont dans le sens d'une solution rapide. Donc on a réitéré notre demande et notre détermination, que nous ne lâcherons rien et qu'on ira jusqu'au bout pour faire entendre la voix, parce qu'aujourd'hui, les positions des uns et des autres ne vont pas dans le sens de la résolution de la situation que l'on connaît et que l'on connaîtra à partir du 1er octobre 2019. Ça veut dire que les arrêtés d'interdiction d'accoster sur le port d'Assemblée et aussi sur le port de Bastia, elles sont murmurées, est-ce qu'elles sont maintenues? Mais aujourd'hui, la position sur le ciel d'Ayache a été effective. Aujourd'hui, sur ce bâti, on n'a pas, mais semble-t-il, en espérant que notre intervention ne va pas le faire mettre en œuvre, mais il était prévu que le port de Bastia serait interdit comme le port d'Ayache et que le bateau qui viendrait serait dévoté sur le. Aujourd'hui, nous espérons encore, même si on est juste déçu de la teneur de la discussion, parce que des fois on a l'impression qu'on est entendu, et des fois on a l'impression que même si on parle, il n'y a pas une volonté manifeste de trouver des solutions à l'heure actuelle. On a dit que dans tous les cas de figure, on continuerait notre mobilisation et qu'on accepte notre mobilisation, qu'aujourd'hui, il y a un point de crispation. Ce point de crispation, il a été généré par l'arrêté de Madame la Préfète, et qu'elle aurait été plus inspirée peut-être d'aller au contact, de discuter, et non pas répondre aux sollicitations peut-être de socioprofessionnels, qui au bout du bout ont généré une situation qui est encore plus bloquante aujourd'hui que ce qu'elle n'aurait pu être, puisqu'on avait eu un engagement que seuls les bateaux de Méridional étaient impactés. Aujourd'hui, en faisant ce qu'elle a fait, peut-être sans le savoir ou sans tenir compte des conséquences, aujourd'hui, la situation de frustration, elle est extrême. On a dit que soit un peu flou, justement, c'est quoi la stratégie des syndicats pour les prochains jours, pour les aujourd'hui, on est dans une situation conflictuelle. Aujourd'hui, vous savez, c'est pas au premier jour de grève qu'on dit que les choses elles ont bougé. On a fait un préavis entre le 12 juin et le 21, il n'y a pas eu de réponse. Aujourd'hui, on va continuer la mobilisation, on va faire comprendre aussi qu'il y a un besoin, mais après, il faut qu'on ait un interlocuteur. Certains points du préavis sont directement de la responsabilité de la direction de la Méridionale. Il faut à un certain moment qu'elle vienne négocier autour de la table. Déjà, le refus de l'OSP, parce que l'OSP va, la mise en œuvre de l'OSP va contrarier et va mettre à mal tous les projets qui pourraient se mettre en œuvre en DSP sur les 15 mois et au-delà des 15 mois. Pour revenir à l'arrêté, est-ce que vous avez dit clairement qu'il n'y en aurait un qui serait pris pour Bastia au cas où? Oui, c'est ce que j'ai dit. Il en est prévu un de la part du préfet. Il est censé entrer en vigueur demain. Qui était prévu à être mis en place, en espérant que notre position et la durée de nos négociations, de nos discussions, ont permis d'infléchir cette position. Je ne suis pas sûr qu'elle ait infléchi, mais on a tout fait pour qu'on aille dans le sens de l'inflexion de la position qui était prévue pour le port de Bastia et détourner les bateaux sur l'île. Concrètement, est-ce que vous attendez aussi du président de l'exécutif qui a une des clés de ce conflit? Une clé, je crois que c'est le deuxième point du préavis, hein, c'est qu'on arrête la procédure, parce qu'aujourd'hui,
va au bout de la procédure, on sait pertinemment qu'il va avoir une classe sociale. Aujourd'hui, d'après le rapport d'analyse qui est aujourd'hui public, puisque tout le monde est au moins là, on s'aperçoit qu'il y a eu des erreurs manifestes de la direction de la mairie de Reims. Aujourd'hui, ce sont les salariés de la mairie de Reims qui ont payé frais et qu'on peut s'interroger sur la stratégie de la mairie de Reims, puisqu'aujourd'hui, c'est une compagnie qui a quand même des décennies de desserte de la Corse sous DSB, a répondu à cette DSB de raccordement. Hein. Je signale quand même que c'est une DSB qui doit être dans le raccordement avec la future procédure initiée par la collectivité de Corse. Aujourd'hui, cette société, elle a répondu avec l'amateurisme le plus grave. Le problème, c'est qu'on ne peut pas comprendre qu'il n'y ait pas une stratégie derrière, qu'il n'y ait pas des gens qui tirent des ficelles par rapport à cette stratégie-là. Parce que, ayant été dans la DSP depuis des années et des années, on ne peut pas répondre aussi de façon aussi légère à des demandes concrètes et avec un cahier des charges aussi détaillé. Lorsqu'on n'affrète pas de bateaux et qu'on n'a que trois bateaux en pleine propriété et qu'on sollicite, je dirais, un appel d'offres, on répond à un appel d'offres sur cinq lignes et il faut avoir sept bateaux et qu'on n'en a que trois en pleine propriété. Et si on n'anticipe pas, on se retrouve dans la situation que l'on a aujourd'hui. Donc quand il se prévoit, anticiper, c'est de l'ordre de direction générale aujourd'hui. Si on n'a pas anticipé, c'est peut-être qu'on n'avait pas envie d'anticiper, qu'on avait envie peut-être de générer cette situation-là. Mais aujourd'hui, on est au début d'un conflit. Il faudra bien que cette compagnie comprenne que la Corse, elle ne peut pas entendre une position de principe de ce type-là. Elle doit revoir ce truc parce qu'il y a des centaines d'entreprises en jeu et que nous avons toute notre détermination à faire valoir auprès des politiques, auprès des pouvoirs publics et auprès de la population, que cette compagnie qui était montrée du doigt mais du bon côté, c'est-à-dire qu'elle a été mise sur un piédestal par la population, aujourd'hui peut devenir peut-être le vilain petit canard, qui est pas accepté, ce qui n'est pas acceptable pour les salariés, les marins de cette compagnie. Merci.